Et bah bonjour à tous, c'est Vincent le Cuisant et l'ami Franchou. Et salut, salut! Donc nous Bonsoir. revoilà pour un épisode sur les fermes des beaux copains. Ça va très bien, Franchou. Bon, ça va. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé un peu la parole. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc bah voilà, on est le retour du live. Qu'on a accepté les trois contrats, bah voilà, faut continuer. Hein. Ouais. Donc j'ai déjà fané. Donc j'ai déjà fané les champs 37 et puis le, je crois que c'est le 28, le deuxième. Donc on va s'occuper de celui-là bah, après l'intro. Donc à tout de suite les amis. À tout de suite. Héros les amis, bah nous voilà au bout de ce beau fin. En train d'enchaîner. Et Franchou en train de presser avec le Ford. Avec... Impeccable, vous dites Ford. Achetez pas de 1050, achetez un Ford. Ouais. Faut le même travail. J'espère que vous allez bien. Je sais que Franchou est... il a fini de bonne heure donc lundi, donc c'est pour ça qu'on en a profité. Ouais, c'est du bien. Après c'est. Le reste ça sera le temps de montage. Après, ouais. Après, c'est ta partie. Ça, Voilà. c'est ton problème. C'est vrai qu'en qu'on a loué le contrat, il y avait qu'un tracteur, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que du coup, faner avec un 900. Bah tu peines pas du tout mais... Bon. Ah, je vois pas les embouts. Ah bah si vous voyez pas les andins, c'est encore bien... Ça va être le souci. Oh là. Je pense que les contrats, faut les faire tout seul en fait. Ouais. Ah, parce que là. Sinon tu me laisses la presse et puis tu vas commencer à... Bah ouais, tu peux même pas charger. Ah bah si, tu peux pas prendre l'arcousin et charger ce que j'ai pressé dans l'accéléré. Comme tu veux, ouais. Ouais bah Tu vas-y. vois. Bon, attends, je fais le tour quand même. Bon bah vous savez que l'accéléré c'est du pressage. De l'autre champ du contrat. Eh ben, je te le garantis, mon pote, si j'ai pas fait de manque là. C'est le délai du direct en fait ça. Pour vous dire, ça fait combien de fois qu'on recommence la vidéo, Franchou? 3 fois, 4 fois, je sais plus. 3 ou 4 fois.
que le champ est toujours pas. Ils sont toujours pas poussés. L'enrobanné est toujours pas fermenté. Donc il va falloir qu'on avance un peu de notre côté pour qu'on aille les ramasser. Que ça fermente déjà. Ouais. Voilà. Normalement, on se retrouvera en live fin de la semaine. Je crois que la vidéo, j'essaierai de vous la sortir. De vous la sortir mardi soir. Mais ça peut être comme mercredi. Donc, je vous dis pas de date. Activez la cloche. On voit le Franchou là-bas travailler à côté de la presse. De la presse, de la faucheuse Ouais. que j'ai laissée en plan là-bas. Elle est en panne. Elle est tombée du ravin. J'ai eu ça par rapport au live de. Au live de J'espère que dimanche. c'est marrant. T'étais plus là, j'en ai profité un peu pour couper à travers les chemins. Ouais, j'ai bien vu. Bah, disons que j'étais un peu aussi un peu fatigué. Ouais. T'as fait encore un bowling, hein? Il a fait un bowling. Bah ouais. 4,30 €. J'ai apprécié. Après, c'est vrai que quand on aime la map, déjà quand on apprécie la map et tout, c'est. Enfin... Bah déjà tu vois pas l'heure passer. Ouais, ça. Et quand tu discutes avec certains, bah comme vous, ou les abonnés. Ouais. Enfin, je suis pas du genre à causer tout le temps. Tu verras ce que je vois. Si vous regardez mes premières vidéos, ça remonte. Après les tutos, c'était autre chose. Ouais. Et vous regardez ma première série, La Ferme en Berry. Franchou, il me l'a dit. Tu t'es Ah ça. amélioré. Ah oui, ça change un peu. Moins timide, plus à l'aise. Bon, de toute façon, ça peut aller que dans le mieux. Ouais. Je cite pas de nom, mais certains rangs étaient comme ça maintenant. Bien sûr. Bah, je pense que la majeure partie, en fait. Hein. Oui, au début, c'est compliqué parce que quand tu fais les trucs et ouais, y a pas grand monde et tout, c'est pas simple non plus d'animer. Hein. Oui. C'est Déjà, le début. faut apprendre à se faire connaître. Ouais. Ça peut être compliqué ou pas compliqué. Après, moi, j'ai eu de la chance de connaître. Bah, d'être aidé par certaines personnes que je leur remercie fortement et remercier c'est un grand mot mais faut pas faire je sais pas comment le remercier pour tout Et bah sortant des vidéos, oui à couture la chaîne. et merci aux nouveaux abonnés aussi. Et aux abonnés fidèles et même tous. Merci à vous. Là va avoir un souci, Franchou. Je sais pas, je te vois pas. Je suis juste à ta gauche. T'es à ma gauche? Bah ouais. Mais tu... Non mais... Là, y a un souci. Vas-y, va tout droit. Attends, est-ce que là pour moi l'entraîneur il est devant ton tracteur? Non, non, mais vas-y, t'y es plus. Moi, je fais demi-tour comme ça, après tu peux. Bah, je pense que tu prends tout en fait là. Tu veux essayer de. Tu veux essayer de. De presser avec le Ford? Ouais, si tu veux. Vas-y, on va rigoler. On va essayer de voir si ça a de la patate, un Ford. Avec une presse à 300 chevaux, normalement. Je sais pas si c'est 300 chevaux, regarde. Tu peux regarder? Ouais, vas-y, je vois. La presse, la presse, la presse. C'est là. 230 chevaux. Ouais, faut 230 chevaux. Ah, tu vois, 160 chevaux. Il y a une différence de 90 chevaux. Moi, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Quand tu dis c'est pas rien.
Et n'empêche, on y arrive à faire la vidéo, mais. Mais t'as pas endéné, Où ça? là. Ouais, juste ici. Ouais, je sais, faut que j'aille le finir le bout. Vas-y, je vais prendre l'un à côté, moi. C'est que je finis là et puis il me reste encore deux passages. Si les arbres ils me laissent le plaisir de voir. Sept kilomètres en forme, incroyable, incroyable ça. Il tire. Tranquille, mais Putain. tranquille, il la promène, mec. T'es où que je leur fasse voir parce que. Ah ouais, Je suis, regardez, il la promène. Hein. ah, il la promène. Je suis à 17, tranquille. Il est à 17. C'est nickel ça. Impeccable. Impeccable. Et c'est que tu comme ça, on va acheter un 900 pour faire voler le fer, mais on regardait le Ford pour lui mettre la charrette 12 mètres, je crois. Il a que le problème de salissure, enfin d'usure. Ouais, d'usure, ouais. C'est ce qui est dommage. Alors sinon. Bon, moi je vais finir mon petit bout, puis après je vais partir presser. Ah bah non, c'est toi qui as la Ramasser. presse. Je vais vous mettre l'accéléré du coup. Ah, je passe devant toi. Oui, je te... Ouais, bah tout à l'heure tu me voyais pas, c'est pour ça que je lui dis. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Je te vois bizarrement, mais je te vois. Il voit bizarrement, il voit troublant. Non, je te vois avec le cardan qui sort de mon tracteur, mais je te vois. C'est le cardan qui tire tout en fait. Les andins, ouais, je vois pas tout le temps. Mais... Ça va, ça Allez va. hop. Donc moi je vais vous laisser là, puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.
Et re les amis. Et re. Donc, qu'on se remette en ligne. On s'est mélangé les pinceaux au début de la vidéo. On s'est mélangé les pinceaux, on s'excuse. Puis comme avec le manque de temps pour tourner, bah, on n'a pas pu recommencer. Parce qu'au bout de trois fois... Bon, ça sera un peu la vidéo, les vidéos gag. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis en train de ramasser les bottes que j'ai pressées tout à l'heure en... dans l'accéléré. Donc il y en a pour un petit paquet, à mon avis. Un petit moment. Mais après, voilà. On va se mettre bien après. Ouais, heureusement que c'est l'auto-stack. Bon, après, moi, ça m'aurait pas dérangé de les charger. Alors. Oh, mon nom, oui. Allez, toc. Après, c'est faut que tu attendes que ça charge quand tu as deux bottes côte à côte. C'est ça le problème. Après, vu le nombre de bottes qu'il y a, est-ce que je pense que ce serait pas valable quand même de louer un deuxième auto-stack justement pour le ramasser à deux? Je sais pas. Je sais pas comment que ça. En location. Je sais pas non plus. Fais voir ça. 1800. Ouais, vas-y. Bah, je suis pressé du coup et. Bah, ça se trouve que. Je suis déjà quasiment plein. Ah bah, c'est ça, t'en mets 14, hein, il me semble. C'est 14, ouais. Allez hop, on est parti vider ça. Oh bah, vous connaissez Vincent. Il voulait mettre le toit sur le roulant, je dis non, fais pas ça. Non, j'ai dit, ouais. C'est toi qui dis ça. Ouais, bah oui. Je pense que. Ouais, je vais demander aux abonnés. Attention, on va avoir un défi que Franchou va faire. Oh. C'est vous qui l'acceptez ou pas. Si c'est oui, il fera. Si c'est non, il fera pas. Ouais. De faire plein de petites bottes et de les charger manuellement. Oh. Mais pas à la main. À la fourche. Sans autoroute, sans rien. Donc dans le chat ou commentaire, vous laissez oui. Puis on regardera ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce monsieur il se moque de moi, mais. On se moquera quand. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Non, mais les petites bottes. Ah oui, les petites bottes, tu sais, avec la petite presse massée, là. Mais ça charge à la fourche. Bah, tu te débrouilles. Je sais même pas si ça charge à la fourche. Si, si, il y a des petites fourches que tu peux... Ah, la fourche bleue, comme tu peux la rétracter, à mon avis, tu peux la ramasser. Tu peux, dis-moi. Ah bah, alors là, par contre, ouais, je pense que... Si vous dites oui, je pense qu'il y en a pour... Si c'est un choc au champ de presse là... Ouais, j'en ai pour deux mois pour te ramasser. Alors, après, tout dépend si vous voulez voir Vincent faire une série solo ou pas. je me défends, tu permets. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Hein. Ouais. Ouais, mais. Et c'est même rare que je prends des arcusins dans mes séries, d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'espère que ça va être long. Ah, bah sinon, tu vas essayer tout seul. Je vais passer tout seul. Punaise! Faut couper l'arbre. Ouais, c'est chaud quand même à passer sous la branche avec l'arcusin. Oh. Il est fou, c'est qu'il est fou. Ouais, je pense qu'on fera deux allées et deux retours. En même temps, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue non plus. Ouais. On avait dit essayer. Hein. Ouais, on passe à côté de. Du Laurent Bané. Eh mais tu es sûr, la vidéo, tu peux la couper avant avant le défi, non? Si les connaissez, vous dire oui. Ah bah, enfin, bon, t'es pas un champ énorme. Ah bah si, le champ plus grand, tiens. Ah bah, si vous voulez, mais...
Non, mais je le ferai, c'est pas un problème. Mais par contre, ouais, je vous dis, je ferai plus partie de la série, quoi, je ferai que ça. Et la série recommencera quand il aura fini, bien sûr. Ah bah putain, je vais attendre un moment. Je vais attendre un moment. Ça va le manquer. Ou soit Franchou, il va démissionner. C'est ça. Attends, faut que je me rappelle. Alors, je suis au champ 28. Il y a deux points de vente. Ils sont au même endroit, côte à côte, et faut pas que je me plante en fait. Dis-moi, le champ 28, il est sur quel? Parce que De quoi? j'ai pas regardé en fait. J'étais là direct, mais. Le 128, il est sur quel quoi? Mugung, ouais, j'y suis. Et. T'es où quel champ toi? Moi, je suis en champ, je sais pas. 37? 37, ouais. Alors j'espère que c'est pas au même point de vente. Ah bah si, Mugung. C'est de même? Ouais, c'est de même. Bon, ouais, c'est pas méchant. Mugung, Mugung, Mugung. Ouais, mais le problème, c'est que. Là, c'est le marché des Oberon. Alors, ça faut pas que je me plante. Là, c'est quoi? Là, c'est le marché. Et l'autre, c'est Mugung. D'accord, voilà. Mais Voilà, c'est voilà, plus. j'ai compris. Je vois plus les contrats. Bah bon. Non. Un truc assez bizarre. Comment on décharge avec l'autostack? Crois que c'est Y. Y, voilà. Alors, est-ce que ça va être... Ah bah voilà. Tout, tout, tout. Et voilà. 53%... Punaise, il était pas en collision, lui. Allez. Ouh, les conneries. Par contre, ça, tu sais comment ça se passe les défis? De quoi? Un défi en un autre. Ouais. Non, Fais donc gaffe, que tu seras pas puni. mais quoi, je vais être d'accord. Je vais être d'accord. Oh, je vais te la deviner parce que. quand tu veux, franchement, je ne refuse pas en tout cas. Ça va être très long, mais je ne refuse pas. Tu me cherchais, tu m'embêtes là. Avec ton autoload. Pardon. Après, j'ai une petite idée comment faire. Si je le fais. Ouais, avec le taux à l'arcassin aussi. Non. Non, mais pas sur un plateau, dans une benne. Ah oui. Tu mets tous dedans et puis du ben. Et on fait encore un voyage et puis ça y est, le contrat est fini en fait. Bon, c'est bon ça. Bah, moi il me reste un an d'affaires et c'est fini passé. Et par contre, petite question, le reste, on le vend ou on le garde pour nous? On le vend. Ouais, c'est juste pour savoir. On le vend parce que de toute façon, du foin, bah, on a déjà un stock, on a déjà du stock. Ouais, mais je pense que les moutons, ça en bouffe du foin. Ouais, mais on en fera bien dans notre parcelle, du coup. Mais celle qu'on a en haut de la ferme, là, tu sais. Ouais. On en fera là. C'est vrai que ça fait une tirée. Heureusement que j'ai pas le jeune dire, hein, parce que j'y serais pas arrivé. Hein. Ouais, la vache. Ah oui, à 100 km/h, bah là oui, tu peux pas. Bon, je pense que j'ai pas trop fait de manque. Je pense. Je dis bien, je pense. Bon, attends. Du coup. Au pire, bah, je verrai si t'as pas fait le manque en off. C'est vrai que ça fait des tirées pour aller au champ. Bah, du coup, je te laisse après dans le champ. Bon, la presse, ouais, tu pourrais essayer. De toute façon, quand on va rendre le contrat, tout va disparaître. Ouais, je vais ramener notre conteneur au magasin. Au magasin, puis je pense qu'on va, je vais louer, on va le louer deux heures plus. Je pense que tu pourras même commencer à ramasser de ton côté. Ouais.
Ça marche. Je suis où moi par contre? 37, il est où 37? Ah, mais c'est au côté du magasin. Ouais, ouais, je suis au côté. Ah bah ouais, t'es plus près du magasin que moi. Hein. Là, je vais vite, tu sais, à l'endroit où j'avais dit faut pas aller trop vite, parce que sinon, c'est un coup aller dans la rivière. Bon, faut que tu me dises le 137 où c'est que j'ai emmené les bottes. Au même endroit, je crois. Au même. Et quoique. Quoique. On va se faire des sous, parce que 14 bah oui. Encore qui reste là, ça va en rester encore. Bah après l'émission de Foch, c'est ce qui fait bien. Ça fait bien. C'est un peu long à faire, mais ça fait bien. Ou sinon, faut que tu viens finir le champ couché. Si tu veux. Ça sera peut-être le mieux, comme ça on finit, on... Puis on finira l'autre de notre côté. Ouais. Mince. Par contre, on n'acceptera pas la validation des contrats, parce que... Je sais plus c'est lequel qu'on a pris en location, les matériels. Ben on s'en fiche, parce que de toute façon, là, en rubanage, il s'est fait sur rubaner, puis qu'à ramasser les bottes, donc tu peux en rendre deux déjà. Même si on n'a plus le matos, on s'en fiche. Bah, leur rebanage, ils sont pas vendus encore. Oui, mais en fait, faut juste garder la mission de leur rebanage, pas être des autres. Les deux autres pourront les rendre, même si on a plus de matériel, on s'en fiche un peu. T'as pas compris. De quoi? Les locations, c'était sur les contrats de pressage de foin, pas de rebanage. Eh ben, justement. Eh ben, on peut pas rendre leur rebanage. Comme on n'a pas fini. Ah, mais non, leur rebanage, non, mais les deux autres, oui. Bah, non. C'est comment tu ramasses les bottes là? Faut finir déjà. Bah, c'est des bottes rondes, on peut pas les ramasser avec tout stack, hein, les bottes. Eh ben. Oui, mais faut finir déjà le contrat. Le. Cela, si tu rends les contrats. Ah oui, mais tu veux dire quand c'est fini? Oui, tu peux rendre. Ah, oui. Une fois qu'on a fini les deux contrats de foin, pour rendre les deux contrats de foin, et la rebanner, par contre, tu pourras le rendre seulement quand. Bah le revenez, j'ai pas de... Bah oui, qu'on aura fini. On aura fini, hein, parce que si on est pas de revenez, on va les charger, on va les charger au pic. Hein. Bah parce qu'on va les charger au pic, on aura pas le choix. Hein. Oh bah oui, ça. T'es dans quel champ, par exemple? 28. 28, il vous le fait. Tu pars du concessionnaire, tu fais comme si t'allais ferme, tu vas tout droit. T'as un virage en S, et c'est le champ à gauche. J'espère que tu roules à gauche. Moi je roule à droite tout est calme. Ah bah ouais, moi aussi. Je vois que t'arrives là, je vais t'attendre, je vais tuer. Je n'arrive pas à le voir, c'est vrai. Mais je vois que t'arrives. Je vois que t'arrives. Ouais. T'es sûr qu'il prend. Oh. Et qui tu de fais quoi? On était à 12 000, on est rendu qu'à 8 000 euros. Et j'ai loué l'Arcusa. Oui, bah tu me disais qu'il prenait que 1400. 1008. Bah oui, bah quasiment 2000. Ah oui. Ouais. Je vais te laisser partir. Et là pour moi le magasin il est encore devant. Je suis encore devant le magasin. Je fais la manche peut-être. Je fais peut-être 10 sous. On sait jamais. Alors là, on va de suite. Et la cigarette électronique, c'est pas bon pour la santé, les gars. Vous, tu l'entends? Bah oui, je l'entends. Où? Où? Bah oui, j'ai des oreilles de lynx, je t'ai dit. Tiens. C'est des boules qui... Ah ouais, c'est des boules qui est. Oui, bah après, j'entendais plus rien. Mais je peux dire, je commence. Oui.
Ça va être tout à vendre aussi. Ouais. C'est bien les contrats comme ça où tu peux avoir de. Par contre, tu me dis où tu es parce que je suis sur la route du retour, je sais pas où t'es. Je voulais pas traire du champ, il fallait vendre où peut-être. Bah, direction magasin. Et mais lequel point de vente? Point de vente au fond. À Mongung, je sais pas quoi. Ah, mais c'est vers le. Négociant bétail. En dessous du 47. D'accord. Ou sinon, tu me rejoins au champ 37, au pire. Oui, bah, je vais venir faire une boîte au passage. Voilà, allez hop. Ça serait peut-être le mieux même. Ah si, moi je vous... Ouais. Je fais vraiment pas exprès, mais c'est que je vois pas grand chose. Je vois pas grand chose. Putain, mais moi j'y vais. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture en face, ce petit gars. Parce que... Ah, ça. Je suis à 63 dans les virages, machin. Je sais même pas où ouais. T'es si t'as passé l'intersection. Non, je te vois. Je vais encore voir le magasin. Ouais, je l'ai passé le magasin. Allez hop. Les petits dedans, c'est ce qui est plutôt sympa. Ouais. C'est pour vous faire ralentir généralement. Mais. Mais là on n'a pas le temps. Là on n'a pas le temps, on a du travail. Et il mettrait en collision un peu les deux danes, tu sais que ça fasse beaucoup. Il y en a certains qui tu les sens, mais. Ouais. Hop là. Donc on va revenir au champ. Ouais, et puis il y a encore tout ça à faire. Ouais. T'as vidé la presse au moins? Oui. Et t'as laissé une balle à côté de la presse? Ouais, chapeau. Ah bon? Ouais, t'as une balle juste à ras de la presse, alors là pour la prendre. On est pilote. On est des pilotes. Ouais, je commence à te ramasser. Ouais, j'arrive. En attendant Franchou. Il va pas vite le petit tout. 42, c'est quoi? Voilà, j'ai ramassé la batte devant la presse. Ah, tu vois, ta pilote. J'ai avoir fini de remplir l'auto d'Arcassin. Donc... Mais j'arrive, mais pas vite. Hein. Et je passe au centre, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Putain, ça va me manquer le Fendt, en fait. Je suis habitué au Fendt à rouler à 63 km/h. Ah, je suis là, lui. Bah, il trace deux bottes, en fait. Une botte à mettre. Ah bon? Ah oui. Oui, j'ai plus de botte. Allez, hop. Ouais, du coup, il me reste plus que... Oh, mais tu as mis une belle claque, hein. Ouais, mais je t'attends. Je peux pas venir trop proche de toi. Il me reste plus que... Ah mais y'a pas énorme de bottes à ramasser, hein. Voilà, c'est ça. T'as ramassé tout le fond? Quasiment. Hop. Il me reste plus qu'une. Ouais, se mettre à côté du Ford. La bête. Et la bête de concours. Comme ça, nous irons. On aurait vidé de notre côté. Ouais. Oh la vache. T'es où? T'es là? Ouais, je suis là. Il nous cherche. Ah, c'est que je suis reposé peut-être. Ouais, ouais.
Donc bah, je vous remercie pour de nous avoir suivis sur cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et merci Franchou d'avoir participé malgré malgré les problèmes sur la partie de synchronisation de multijoueur, je pense. Moi, j'y arrive. Puis nous, on se retrouvera bien sûr dans pas longtemps pour des présentations de mode. Mm. On se retrouvera sur la série La Ferme des Beaux Copains dimanche soir, avec, bien sûr, en compagnie de Franchou. Ouais. Et oui. Bah, prenez soin de vous, puis, puis à bientôt, les amis. À bientôt. Salut. Salut.